Eh bien parfait, il semblerait que ça refonctionne. On se retrouve du coup pour continuer notre robot. J'ai dû faire une pause, je suis vraiment désolé. Hop. D'ailleurs, du coup, ce quelqu'un-là, on va plus en avoir besoin. Ça bug pas? Parce que certaines applications sont faites pour eux. Je crois qu'il y a eu un problème à un moment. Nous vous aidons à garder un œil sur leur téléchargement. C'est pas grave, ça a l'air de refonctionner parfaitement. Ou bloquer les applications qu'ils téléchargent. Alors. Avec un peu d'aide de Google. Là, on va partir du coup sur des petits cercles, des espèces de lumières qui seront ses yeux. Donc des petites lumières bien rouges, un peu flippantes. Parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Ça me paraît bien. Alors, tout à l'heure de fonctionner encore une fois. Je suis plutôt content, j'ai réussi à gérer le truc. Parce que ça buguait, ça pouvait pas marcher comme je voulais. Et là c'est bon. Hop. Et maintenant on bascule un peu. Alors du coup là, on est en train de faire les yeux, enfin le line du coup des ronds qui serviront aux yeux de la créature. Alors vu que c'est pas une créature biologique, les yeux devront être des caméras ou alors des espèces de détecteurs infrarouges. On ne peut en aucun cas faire des pupilles ou quelque chose comme ça. Ou alors on pourrait faire des écrans qui feront des pupilles, je ne sais pas, pourquoi pas. Alors, à part celui d'en bas qui est un peu dégueulasse, celui-ci aussi. Mais ça, c'est les ellipses, comme toujours. Ça va. On va pouvoir, du coup... Je suis désolé, je commence un peu à fatiguer. On va pouvoir attaquer, du coup, la fin de la tête, donc qui consiste en cette partie-là. Alors... Oh. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit problème? Bah dans ce cas-là, on va lui faire des espèces de défense ici pour les coller, ce sera plus simple. Et vu que cette partie-là tourne, de toute façon, on n'a pas à s'inquiéter au sens du coup de ce qu'on a fait en dessous. Ok, donc c'est bon, on va faire ça. Je crois que live il lag et que OBS arrête pas de se déconnecter. C'est vachement triste. Bon. Du coup, comment est-ce qu'on va faire ça
enfance un peu. Genre elle s'accrocherait. Ouais, c'est ça. Hop. On a une accroche comme ça pour le départ. Et du coup, on a à peu près la même de l'autre côté. Hop. Qu'est-ce que mes Discord chute? Et du coup ici on devrait avoir à peu près le même hein, dans l'autre sens comme ça. Voilà. Hop. Avec du coup après le départ de chacune des espèces de défense. Ouais, je donne un côté très animal quand même à celui-là. J'aime beaucoup. Hop. Alors ouais, c'est pas du tout sur le lay, sur le croquis originel. Mais en soi, ce n'est pas bien grave. Ça remonte et ça parce tourne. Parce que leurs jeux préférés peuvent les tenir éveillés trop tard. Nous aidons votre famille à trouver le bon équilibre. Choisissez les horaires d'utilisation sur leurs appareils, avec un peu d'aide de Google. On va dire que c'est comme ça parce que c'est un robot. Du coup, il ne faut pas de trucs qui fassent vivant, à proprement parler. J'ai complètement raté ce trait là. Wow. Oh. Ça me paraît pas trop mal. Oh. Et là maintenant, on va pouvoir partir sur la partie qui pivote sur un nouveau calque, du coup, comme toujours. Non, pour le faire bien, il va d'abord falloir réussir à faire la bonne ellipse. Donc là, c'est rond, donc on a une ellipse comme ça. Du coup, notre système de rotation vient se placer autour. Du coup, pour faire un parfait. Hop, comme ça. Et vient du coup se placer avec le point ici. Bien relié. Là. Et là. Ça me paraît déjà beaucoup plus propre comme résultat. Il va juste falloir hop
gommer ça. Oh. J'ai mieux fait que ce que je pensais. Et nouveau calque encore une fois. Maintenant, va falloir faire cette partie-là sur ça. Yes. Motivation. Allez. Au boulot. Bien sûr. Paint est largement meilleur, faut pas déconner non plus. Franchement. Attends. Hey, regarde, il y a un lien Tipeee si tu veux. Parce que la momie, c'est important. Oh, Théo, tu m'épuises. Enfin, Cade. Bon, on reprend. Même à un pixel, c'est chaud parce que là... Bon, faudra clean un peu le line là, clairement, mais ça me paraît déjà pas trop mal. T'as déjà commencé par te clean toi. J'ai sélectionné le mauvais calque, je suis con. Oh, les mauvaises maniques, c'est chiant. Voilà. Et en soi aussi, j'avais oublié. Détail important. Et vu qu'on met des flemmards, ce qui n'est pas forcément une bonne chose en soi. Enfin, que je suis un flemmard. Hop. Hop. Ouais, c'est bien ce que je me disais, j'ai dessiné sur mon mauvais calque. Bon, on va se contenter déjà de gagner ça. Voilà. Et de resélectionner seulement la partie qui m'intéresse. Hop, on prend le thé.
pas tout à fait aux bonnes proportions quand même, moi. Et voilà. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Et on va pouvoir du coup commencer le corps. Bon. Alors là. Ça va être un peu plus chiant. Déjà ma foi, on peut passer à 2 pixels. Ah. Je vais augmenter un peu le message. 37 lumières, c'était pas mal. C'est bon, vous avez encore de la musique. Oh. Vous écoutez bah là, de la musique sens, à longueur de journée, profitez-en en arrière-plan, hors connexion et sans publicité avec la nouvelle application de streaming musical conçue par YouTube. Téléchargez YouTube Music aujourd'hui pour essayer Music Premium sans frais. Offre soumise à condition. Les routes, ça on les dessinera après. Pour l'instant, on va faire les grosses écailles. Une par une. Et ensuite, on passera à tout ce qui est détail. Je crois qu'il y a un problème quand même. Hop. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ah ouais, d'un coup c'est mieux. Bah je pense qu'on va être bon pour... Enfin, c'est pour ça que c'était moche, tu m'avais désactivé la pression de la tablette graphique. Ouais, d'un coup le trait est beaucoup plus précis. Par contre, avec la souris qui est posée là, je commence à gêner un peu. Hop. Alors ouais, une fois qu'on aura fini les écailles, il va falloir s'atteler à tous les détails. Et je pense que tout ce qui est bras, tout ça, je le ferai en dernier. Une fois qu'on aura fini tout ça, on pourra enfin s'atteler donc à la couleur. Et faire ensuite toutes les poses secondaires. Pour faire une planche complète, donc avec un décor et compagnie. Avant de faire une erreur 404, parce que ça fera trop de travail d'un coup et trop de concentration d'un coup dans la même journée. Le résumé de ma journée d'hier. Par contre, là, dans la perspective, il y a un truc... Il y a cette partie-là qui doit être partie comme ça. Là, ça, elle est partie dans le bon sens, celle-là. Merci. Allez. C'est ça qui est cool avec les gens qui ont vraiment vu de très loin comme de très près de son dessin.
est plutôt pratique. Alors que quand tu fais du dessin sur papier, tu peux pas vraiment te revenir avec ta loupe en mode « Oh tiens, j'ai envie de voir le prochain de mon dessin. » Enfin, si tu peux, mais... On le fait pas vraiment. Personne le fait, on va pas se mentir. Sur Photoshop, il suffit de faire une commande et c'est bon. Alors oui, on voit, ça a pas du tout la même forme sur le brouillon, mais c'est pas vraiment le plus important au final. Ce qui est important, c'est de se référer au brouillon pour avoir en fait une base de dessin, pour savoir à peu près où mettre quoi. Et après, si c'est parfaitement calé dessus, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que ce soit cohérent quand même dans la... dans le résultat final. Faudra bien que je pense à réorganiser tous mes calques après. À tous les renommer. Ici, par contre, cette pièce est plutôt importante. Ah, je vais faire un nouveau call. Bigre. Elle est celle qui sera reliée au sac. Donc il y aura des espèces de coutures, soudures à rajouter aussi ici. Sur cette pièce-là particulièrement. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'elle est énorme. C'est pour ça vraiment que je la grossis un maximum. C'est une plaque de métal, le dernier truc. Par rapport à la première, non, c'est vrai, mais... Tu vois, c'est pas une de base. Genre, y a aussi la technologie dedans. Bon. Étirement. Hop. Et on va pouvoir continuer.
Juste autant que je vérifie que tout va bien. Ah, il est parti. Le lâche. Bon. C'est pas grave. Alors du coup of night, we live to die, we lose our souls every day, we lost our minds, we don't remember what's wrong and what's right, it's right, the world is dead but we stay, cause we are born as living fights, we live to die, we live to die, and we surround. Ce trek est mille fois trop long. Wow. Oh. Bon. On va arriver au bout. Si on retire le croquis, genre, ça va. Pas si mal pour l'instant. Ça fait encore très coloriage, c'est comme l'autre. Quand tu retires les, les couleurs ou les croquis, ça fait très très coloriage à chaque fois. Après, c'est un ride, c'est normal. Je peux grimper son album de coloriage avec tous mes robots, du coup, ce serait très drôle. Mais il n'y a pas que les robots, il y a aussi les cowboys, plein de choses. Tous les trucs faits sur Photoshop en fait. Ça pourrait être une idée intéressante. Bon. Alors, j'hésite parce que j'ai dit que je ferais pas ton dernier, mais en soi, si je les faisais maintenant, ce serait fait, tu vois, ce serait tranquille après. Passer au bout du coup quand même. Au final. Mais du coup il va me falloir des rêves de roue. Bon, on va aller checker ça. Ouais.
là, ça c'est bien. Bon, bah, on va enregistrer l'image. Et l'ouvrir en Photoshop comme une référence. Découvrez YouTube Music. Mais du coup, j'ai bien trouvé la façon dont je vais faire. Pour les roues comme ça, je vais juste faire des rectangles. Et pour les roues comme ça, j'irai rechercher d'autres roues. Mais pour l'instant, du coup, je vais m'occuper de celle-là. Ils ont bien une forme arrondie, en fait. Ça. Alors on ne précise pas la taille du robot, et peut-être que les roues que j'ai prises sont beaucoup trop petites, beaucoup trop grosses pour ce robot. Je ferai une échelle du robot quand je ferai le décor, j'ajouterai une petite maison. Oh c'est génial, rien que de préciser une petite maison. Genre, comme ça. On va sortir du line, on va faire un autre truc au-dessus. Là. Il y a le tunnel qui a fait le robot qui part comme ça. Part comme ça. Tunnel, tunnel, tunnel. Hop. Là. T'as de l'herbe. T'as des arbres. Voilà. Et t'as une maison. Ça me paraît plutôt pas mal pour l'échelle. Bon. Je me roule là. Bon bah. Non mais écoutez. Pourquoi s'embêter ? Je pense que ça nous permet de garder une autre personne parfaite. Ok, celle-là on peut la rétrécir un peu. Pour que les autres plus apprécient ici. Hop. On va dire que ça fera les roues. Et du coup maintenant celle du dessus. Hop. Et il y a une certaine épaisseur quand même de pneus. Avec ici. Et du coup après il faudra calculer la perce. Oh.
Hop. Bon, alors les roues, il y a quelques problèmes de line à corriger aussi. Mais pour l'instant, on va dire que ça le fait. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas à travailler sur le sac et du coup la tâche ici avec... avec le auvent, enfin avec le store. Store que je pense je vais voler sur l'autre robot. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on en veuille quoi que. Ouais, ce serait bâtard quand même. Bon. On verra. Après tout, c'est quand même moi qui l'ai dessiné, l'autre store, donc. Non, mais j'ai fait du caca là. Je sais même pas ce que j'ai fait, j'étais trop loin. La perspective de ce truc est complètement fuckée, je suis désolé. Je sais pas quoi faire pour changer ce truc, mais sa perspective elle est fuckée. Wouah! Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Bien, on peut ne pas le faire pour l'instant et se dire que c'est pas grave. Oh punaise. Bon.
Une fois qu'on aura géré l'épaisseur déjà. Ouais, parce qu'il faut pas oublier l'épaisseur des choses. Les choses ont une épaisseur malheureusement. Hop. Le petit symbole pour le fonctionnement de la machine. Hop, avec l'indication pour indiquer ce que c'est. Le petit symbole de poubelle pour montrer que ici, c'est les déchets. Voilà. Les trois boutons pour l'allumage. Hop. On va pouvoir faire le sac. Alors. Ouais, un pixel c'est vachement fin quand même. Deux pour les contours, on avait dit. Bon. C'est un gros sac. Hop. Voilà. Et du coup ça continue par là. Et ça va rejoindre ce truc-là. Qui du coup s'accroche en dessous ici. Écoute, soyons fous. Et donc ça, c'est une partie en métal comme ça. Donc c'est accroché ici. Oups,
Non, non. Et là, tu vas pouvoir me faire des attaches, du coup. On va pouvoir ajouter des vis aussi. Ici, là, c'est beaucoup plus profond, mais... Hop, voilà. Ah, je suis à deux, c'est pour ça que ça fait moche. Hop. Pour ça, je pensais du coup faire des petites bulles en verre. On va pouvoir repasser avec un pixel. D'ailleurs. Ah, il n'y a plus de musique, mince. Je vais régler ce problème-là tout de suite. J'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique? Du NCS, il faut. Il me propose pas un mix. Voilà. Ça devrait fonctionner. Looking for the best music for your video? Juste après la pub. Then you should check out oh, les pubs. Bon. So fresh, so continuons nos yeux, nous. It's all for you. All for you. And the license covers everything. Go to artists now and start creating. Avec Barilla, découvrez tous les bienfaits des légumineuses sous forme de pâtes. Faites avec 100% de lentilles corail, elles sont riches en protéines végétales. Appréciez de nouvelles saveurs et variez bon. Les plaisirs. Buon appetito. Et je pense qu'on va les faire rouges, on va les laisser quadriller comme ça, et on va les faire rouges avec un trait vert comme ça, ici. Ça pourrait rendre plutôt pas mal. Voyons ça. Ouais, bon, ça fait toujours coloriage, mais bref. Il manque plus que les pattes de tri. Wow. Allez, motivation. Oh. Bon. Je prends une pause juste de 5 minutes. Aller me chercher un truc à boire. Aller faire un tour. Prendre un peu l'air sur le bas de cou. Je reviens, il est quelle heure? 35? Je reviens pour aller entre 40
et 45. Allez, à tout de suite. Lights paint the skies.
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hey.